Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices. C'est Hervé Cheuseville à l'antenne. Ravi plus que jamais de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire Panorama Info et pour un sujet, cette fois-ci, un peu original. Ce n'est pas que mes sujets précédents n'étaient pas originaux, mais là, je pense qu'aujourd'hui, j'ai fait dans l'originalité. D'abord, je vais revenir sur des souvenirs un peu lointain. C'était en 1987. J'étais en mission au Laos pour un consortium d'ONG catholiques européennes. Dans ce pays, je supervisais l'arrivée et l'acheminement de l'aide alimentaire offerte par ce que l'on appelait encore à l'époque la communauté européenne. Pour cela, je devais me rendre presque chaque jour au port fluvial de Tadea, à une vingtaine de kilomètres en aval de Vientiane, la capitale. Là, j'attendais que les camions chargés de riz traversent le Mékong à bord d'un bac. Depuis cette époque, un pont suspendu a été construit afin de faciliter le trafic routier entre la Thaïlande et le Laos, le fleuve délimitant la frontière entre les deux pays. Mais à l'époque, c'était tout à fait spectaculaire. C'était ces gros camions qui traversaient sur des petits bacs ce fleuve très large. Le riz était acheté en Thaïlande. J'assistais ensuite au déchargement des camions thaïlandais. Les sacs de riz étaient déchargés par des porteurs et empilés dans un vaste entrepôt. Ensuite, les camions thaïlandais repartaient à vide pour la Thaïlande. Quant au riz, il attendrait dans l'entrepôt que des camions laotiens, plus petits et donc plus adaptés à l'état des routes, ne l'acheminent à la province de Luang Prabang, dans le nord du Laos. Cette province était en effet affectée par une grave sécheresse, ce qui avait justifié cette aide européenne. Ces petits camions, je le précise en passant, étaient tous des camions russes, des Kamas. C'est donc dans cette province que ce riz devait être distribué à la population touchée par la sécheresse. En assistant au déchargement des camions thaïlandais, j'admirais ces frêles porteurs laotiens, capables de porter ces sacs de riz de 90 kg, ils les maintenaient sur leur dos à l'aide d'un crochet d'acier qu'ils plantaient dans les sacs. C'est donc durant cette mission de quelques mois au Laos que je me familiarisais avec les sacs de jute. En effet, ces sacs de riz étaient en jute. Qu'est-ce que le jute? Le jute blanc, dont le nom scientifique est Corchorus capsularis, est une plante de la famille des Malvaceae, originaire d'Asie. Cette plante est cultivée dans les régions tropicales pour ses fibres libériennes, pour les fibres libériennes de ses tiges. Ces fibres sont employées dans la confection de sacs d'emballage, nattes, vêtements grossiers, etc. La partie restante après l'extraction des fibres est utilisée dans l'industrie papetière. Le papier est gris chamois. Les feuilles et les graines sont comestibles et contiennent un fort taux de protéines. Feuilles, racines, graines et fruits verts sont aussi utilisés en médecine. Il existe aussi du jute rouge ou jute tosa, de son nom scientifique Corchorus olitorius, qui est un peu moins utilisé. Le nom français du jute est emprunté depuis 1849 à l'anglais jute, ça s'écrit pareil. Et jute est lui-même emprunté au bengali joto ou juto,
qui vient du sanskrit juta, variante de jata, qui signifie tresse de cheveux. Ce végétal était, un peu moins aujourd'hui, communément appelé chanvre de Calcutta. À quoi ressemble le jute? Ce sont des herbes ligneuses, dressées de 2 à 4 mètres de haut, à tiges rigides et fibreuses, de 2 cm de diamètre environ, et ramifiées seulement dans leur partie supérieure. La culture du jute est répandue en Inde, au Bangladesh, en Birmanie, en Chine, au Laos, aux Maldives, au Népal, au Pakistan, au Sri Lanka, à Taïwan et en Thaïlande. Il a aussi été introduit en dehors de ces régions d'origine, au Brésil, au Cambodge, à Cuba, en Corée, à l'île Maurice, à La Réunion, au Panama, aux Philippines, en Tanzanie, en Ouzbékistan et au Vietnam. Cette espèce croît sous des climats chauds et humides. Le berceau de sa culture se situe en Inde et dans le Bangladesh actuel. Rappelons que le Bangladesh faisait partie de l'Empire des Indes, autrefois. Donc ce sont essentiellement les vallées du Gange et du Brahmapoutre. Ces deux pays rassemblent à eux seuls 80% des surfaces consacrées à cette culture dans le monde. La production mondiale de jute et fibres apparentées est d'un peu moins de 3 millions de tonnes, dont l'Inde fournit 67% et le Bangladesh 30%. La plus grande partie de la fibre est transformée sur place. Le principal exportateur de fibres brutes est le Bangladesh, qui exporte environ 300 000 tonnes de jute par an. C'est aussi le premier exportateur de fibres transformées, fils de jute, sacs, tissus, avec 400 000 tonnes, suivi par l'Inde, 95 000 tonnes. En 1988, j'ai effectué une mission au Bangladesh pour le compte du CCFD. Le pays venait d'être touché par des inondations catastrophiques, ce qui est malheureusement un fait habituel, si ce n'est annuel. Durant ce premier séjour dans ce pays où je devais me rendre à nouveau quelques années plus tard, j'ai eu l'occasion de visiter une usine de transformation de jute et de rencontrer son fondateur et directeur, M. Chowdhury, dont j'ai oublié le prénom. Cette visite de l'usine me laissa une impression durable, car je découvris toutes les possibilités que le jute pouvait offrir. En effet, cette entreprise moderne produisait des objets aussi divers que des casques de chantier, des glacières, des paillasses et éviers de cuisine et bien d'autres choses encore. Le tout ressemblait à des objets en plastique, mais ce n'était pas le cas. C'était fabriqué grâce au jute, à base de jute. Monsieur Chowdhury m'expliqua qu'il cherchait à diversifier le secteur du jute, car il craignait que, dans un avenir proche, les sacs de jute soient remplacés par des sacs en matériaux synthétiques moins chers à fabriquer. En 1989, je rejoignis le Programme alimentaire mondial des Nations Unies qui m'envoya dans différents pays d'Afrique. Jusqu'en 1998, je me consacrais essentiellement à l'acheminement de l'aide alimentaire internationale. Maïs, haricots, lentilles, arachides, sel. Tous ces produits étaient emballés dans des sacs de jute. Nous acheminions aussi de l'huile dans des bidons métalliques de taille variable. De taille variable parce que c'était un véritable casse-tête chinois. Certains venaient d'Angleterre ou du Royaume-Uni et ils étaient donc en galons impériaux. D'autres venaient des États-Unis et ils étaient en galons tout court. Et enfin, il y avait ceux qui venaient de l'Union européenne ou de la communauté européenne, et eux étaient en litres. Alors, je ne vous explique pas la complexité du calcul pour savoir combien d'huile on avait en stock. Il fallait convertir les galons et les galons impériaux en litres. Durant toutes ces années,
j'eus l'occasion de constater que la prédiction de M. Chaudhuri devenait réalité. Au fil des ans, je vis les sacs de jute disparaître pour être remplacés par des sacs en polyéthylène. Je ne pouvais que regretter cette disparition. Pour transporter les sacs à dos d'homme, comme je l'avais vu faire quelques années plus tôt au Laos, l'usage de crochets en acier était impossible, car ils auraient crevé les sacs en polyéthylène. Mais surtout, ces sacs en polyéthylène étaient à usage unique, alors que les sacs de jute pouvaient être réutilisés. Le recyclage étant inexistant à l'époque, dans ces pays d'Afrique, les nouveaux sacs en polyéthylène contribuaient à polluer l'environnement, même si j'ai pu voir dans des camps de réfugiés ou des bidonvilles qu'ils pouvaient aussi être utilisés dans la construction des abris dans lesquels habitaient les réfugiés ou les populations les plus pauvres. Je pensais aussi au Bangladesh, dont le jute était l'une des principales exportations. La moindre utilisation des sacs de jute dans l'agroalimentaire allait certainement nuire gravement à ce malheureux pays déjà accablé par de fréquentes inondations catastrophiques et qui n'a pas beaucoup d'autres ressources naturelles que le jute. Bon, il produit beaucoup de riz, mais cela suffit à peine à la consommation locale. Je songeais aussi à la géniale initiative de M. Chaudhuri qui fabriquait avec le jute d'autres choses que des sacs. Encore faudrait-il qu'il trouve un marché pour ses casques de chantier, ses glacières et ses éviers. Est-il parvenu à concurrencer efficacement les compagnies produisant les mêmes objets mais en matière plastique? J'en doute fort. En tout cas, je suis certain de n'avoir jamais vu de tels objets fabriqués à partir de jute dans nos grandes surfaces. 30 ans plus tard, je constate, avec un plaisir non dissimulé, un retour en grâce du jute. Les sacs plastiques ayant été bannis, nos grands magasins offrent ou vendent à leurs clients de jolis sacs en toile de jute. Enfin, après avoir pollué les océans, les mers, les lacs et les cours d'eau du globe, après avoir laissé ces sacs plastiques parsemer des terrains entiers à travers le monde, les responsables politiques et économiques semblent avoir enfin pris conscience du danger représenté par ces poches en plastique. En Afrique et en Asie, j'ai souvent vu des vaches ou des chèvres les brouter et les avaler, et en mourir. Je sais aussi que les poissons d'eau douce et d'eau de mer en ingèrent les débris. J'ai lu ces résultats d'analyse effrayants qui montrent que les humains en consomment aussi, sans le vouloir, en mangeant du poisson ou en buvant de l'eau en bouteille plastique. Il aura fallu 3 ou 4 décennies pour commencer à sortir de cette folie du plastique et pour voir réapparaître les bons vieux sacs en toile de jute. Je me réjouis de cette évolution, même si je sais que pour la nature, terrestre et aquatique, c'est certainement trop tard. Le mal est fait et la planète mettra des siècles à s'en remettre. Désormais, je ne me sépare plus de mes sacs à commission en toile de jute. J'en ai toujours un ou deux dans le coffre de la voiture et je fais mes courses avec. Il m'arrive même de les utiliser pour transporter des livres. Et chaque fois que je les utilise, je pense au Bangladesh, en espérant que ce grand retour des sacs de jute profite à ce pays. Voilà ce que je voulais dire, chers amis auditeurs, au sujet du jute et des sacs de jute. Et je vous encourage, bien sûr, à vous aussi les utiliser. Quelques mots maintenant pour vous donner les résultats des élections dont j'ai parlé dans les dernières émissions. Je vous rappelle que l'élection présidentielle congolaise a eu lieu le 20 octobre 2023 afin d'élire pour 5 ans le président de la République démocratique du Congo. Des élections législatives, provinciales et municipales avaient lieu simultanément. Ces élections se sont déroulées dans un contexte compliqué. Elles n'ont pu se tenir dans certaines parties du pays, en particulier au Nord Kivu, du fait de l'insécurité et de l'occupation de territoires par une pseudo-rébellion soutenue par le Rwanda.
En outre, dans un grand pays, grand comme près de 5 fois la France, sans véritable voie de communication, sans route, la logistique de ces élections s'est révélée être, une fois de plus, être un défi quasi insurmontable. C'est pourquoi, dans certaines zones reculées du pays, on a commencé à voter plusieurs jours après le jour prévu pour les élections, car le matériel électoral n'était pas arrivé à temps. Le dépouillement, la compilation et l'acheminement des résultats a également été un défi majeur. La proclamation des résultats a donc beaucoup tardé, ce qui a fait naître de nombreux doutes quant à la sincérité de ces résultats. Toujours est-il que le président sortant, Félix Tshisekedi, a fini par être proclamé vainqueur avec 73,47% des suffrages exprimés, suivi loin derrière par Moïse Katumbi, qui aurait obtenu 18,32% des voix seulement, et par Martin Fayoulou, qui n'a eu que 4,84% et 4,92%. Le prix Nobel de la paix et candidat indépendant, le docteur Denis Mukwege, n'aurait quant à lui obtenu que 0,22% des suffrages. Quant aux législatives, d'après la commission électorale, après que 82 candidatures aient été invalidées, le parti du pouvoir en place, l'UPDS, est celui qui remporte le plus de sièges, ce qui donnera une probable majorité parlementaire confortable au président Tshisekedi. La semaine dernière, je vous avais parlé des élections à Taïwan. Comme attendu au vu des sondages d'opinion, le vice-président sortant Lai Ching-te est arrivé largement en tête avec 40,05% des suffrages exprimés. Arrivé deuxième avec 33,49%, le candidat du Kuomintang, Hu Yu-i, a reconnu sa défaite le soir même avant de s'excuser auprès des électeurs de son parti, pour avoir échoué à mettre fin à 8 ans de gouvernement du Parti démocrate progressiste. Si ce dernier voit son candidat remporter la présidentielle pour la 3e fois consécutive, une première dans le pays depuis l'élection du président au scrutin direct, Lai ne remporte néanmoins pas la majorité absolue des suffrages, ce qui n'était pas arrivé depuis l'élection présidentielle de mars 2000. Bien qu'ayant maintenu sa position de premier parti taïwanais, le DPP est par ailleurs confronté à la perte de sa majorité au Yuan législatif, l'Assemblée nationale, lors des élections législatives organisées simultanément. Cette situation amène le candidat du Parti populaire taïwanais, TPP, Ko Wen-je, arrivé troisième avec 26,46% des voix, à se féliciter de ces résultats qui marquent selon lui la fin du bipartisme entre le DPP et le Kuomintang. La prestation de serment de Lai Ching-te doit intervenir le 20 mai 2024. La République populaire de Chine a réagi le soir même de l'annonce des résultats, en réitérant qu'elle considère inévitable la réunification avec Taïwan, s'opposant fermement aux activités séparatistes de l'île et à l'ingérence étrangère. Malgré tout, il est à noter que plusieurs pays occidentaux et l'Union européenne ont adressé des messages de félicitations à Taïwan pour la bonne tenue de ces élections démocratiques. C'est sur ces mots, chers amis auditeurs et auditrices, que je vous laisse avec une chanson venue du Bangladesh, le premier exportateur mondial de jute.